qui contourne le recul décidément de votre gel. Il a tenté de s'évader ce matin en sortant du troisième étage de l'immeuble où il était entendu. Rattrapé par la police, il a été conduit à l'hôpital. Auteur de l'attaque sanglante contre la Caisse d'Épargne samedi, il aurait dit aux enquêteurs avoir monté l'opération pour se venger du directeur d'urgence qui l'avait licencié. Agnès Gardé et Vanessa. Un geste fou, un de plus. Habib Mezaoui a tout bonnement ce matin tenté de s'enfuir du commissariat où il était en garde à vue depuis 24 heures. Et cela, sous les yeux du gardien de l'immeuble d'enfance. Il a passé par la fenêtre. Les couleurs. Il a fait une chute. Il a traversé la rue. La police est amenée immédiatement. Il a été appelé. Il a été ramené au commissariat. Une chute du troisième étage, de multiples fractures, et malgré tout, le suspect a tenté l'impossible. D'abord transporté à l'hôpital de Pontoise, il est finalement admis cet après-midi aux urgences de Percy, hôpital militaire à Clamart. Avant cet épisode, les enquêteurs ont tout de même eu le temps de l'entendre. Habib Mezaoui, français âgé de 27 ans d'origine tchadienne, est un ancien employé de la Caisse d'Épargne de Cergy. Mis en cause par le directeur pour malversation, il est licencié en septembre 1999. Une procédure est même engagée contre lui. Alors, lorsqu'il fait irruption dans la banque samedi matin, grossièrement écouté aux femmes, c'est probablement pour régler ses comptes avec le directeur et son conseiller financier. Une attaque préparée dans les moindres détails. Ce sont des vêtements quelques matières qui avaient été dérobés, la règle même des fonds. Il s'était également muni de liens destinés à neutraliser les employés et les clients éventuellement présents en agence. Il était également porteur de gants, ce qui manière à rendre plus difficile son identification éventuelle. La vengeance pour seul mobile, les enquêteurs s'interrogent encore. Il leur faudra attendre le rétablissement d'Habib Mezaoui pour davantage de précision. Le suspect lui passera sa première nuit à l'hôpital, sous haute surveillance. Il devrait y recevoir la visite des procureurs et juges d'instruction du tribunal de Pontoise, lui signifiant sa mise en examen. Au-delà du cas particulier de la personnalité du directeur, se pose tout de même le problème plus large de la sécurité dans les agences bancaires, polémique sur le système de surveillance, alors qu'à quatre reprises, il se serait révélé tout le paiement, polémique du côté de la police qui a mis du temps à évaluer la gravité de la situation. Explication de l'indépendance et ce qui est sur place, Gilles, vous êtes devant l'hôpital militaire de Percy, c'est là que le juge devrait venir pour entendre les directeurs, mais vous avez déjà beaucoup d'éléments sur ce qui s'est réellement passé dans les banques. Oui, effectivement, le juge devra venir ici, je vous le cadre de santé, d'abord, de la nuit, de la
on revient à l'agence bancaire, nous sommes simplement prêts à l'erreur. Nos amis pénètrent dans l'agence bancaire. Aussitôt, ils leur donnent quelques de téléphone sur les banques. Ensuite, ils demandent à des sonneurs de descendre sur ce sol. L'un des employés ne tempère pas assez vite. Mes amis tirent, l'homme peut descendre les rampes. À cet instant, le directeur se passe de l'agence se prend du courage et craint très d'un courage. Il se rue sur nos amis. La mêlée est confuse. À l'intérieur, ils sont tombés de l'arbre. Mes amis avaient déçu. Il y en a, l'homme a reporté. Il m'a mal à tête. Ensuite, il déshabille sa victime. Car il y a un peu de sanction sur le vêtement. On peut en déduire qu'à ce moment, mes amis ont encore espoir de sortir de l'agence sans être identifiés. Par ce fait, ils ont emporté ce vêtement. Et pendant cet événement, le directeur de l'agence, lui, se réunit sur son pied, sort par le téléphone, mais ce n'est pas dans son sérieux. Mes amis et sur lui, il insulte le directeur de l'agence, il insulte cet homme qui, en 1999, l'a licencié pour malversation. Une bonne maison, 34 bandes dans le dos, le directeur est mort. Voilà ce que je sais sur cette dramatique culture. Alors, je disais, mes amis, et dans cet hôpital, sous bonne garde, le policier a mal de ses blessures. Ce qui se précise également, c'est que ses deux frères et sa compagne sont toujours interrogés à la tête de police de Cergy. Les deux frères, ils ont été interpellés après la fusillade par les policiers du Rhône. Il était 3h du matin, ils sortent de l'appartement de mes amis. Ils doivent, bien sûr, actuellement s'expliquer sur leur venue dans cette affaire, sur l'aide éventuelle qu'ils comptent apporter à leurs frères. Là, je répète, le bilan de ces familles, de ce bancaire fou, 3 morts, 6 blessés, et 2 dégradés. Merci Gilles pour toutes ces précisions. En Moselle, l'instruction sur les circonstances de la mort de Karine devait connaître un tournant décisif cette semaine, avec notamment la confrontation entre Stéphane Kraut, suspect numéro 1, et sa compagne Péroline. Elle est désormais interdite, elle aussi, comme tout le monde assisté. Explication au Réveil. Elle est le nouvel acteur d'une affaire à rebondissement. Maître Frédéric Lecher-Lorioz vient d'être commis d'office auprès de Péroline. Selon Stéphane Kraut, meurtrier présumé de Karine, ce serait en effet sa compagne qui l'aurait incité à brûler le corps. Pour l'instant, elle est inculpée de rien du tout, elle n'est pas mise en examen, les témoins assistés, donc pour l'instant, il n'y a pas à la disculper de quoi que ce soit. Simplement, les investigations effectivement en cours donneront une lumière objective au dossier et aux déclarations qu'elle a pu faire. Pour l'heure, Stéphane Kraut reste en effet le seul mis en examen pour le meurtre de Karine. Mais lui, qui avait conduit les enquêteurs jusqu'à la dépouille de la victime, a fait d'autres confidences. Dans un interrogatoire retranscrit aujourd'hui par le Parisien, Stéphane Kraut déclare ceci. Je ne sais pas si j'ai déliré ou si c'était la réalité, mais je me suis vu en train d'avoir une relation sexuelle avec mon cadavre. Mais je ne pense pas que cela soit possible. Stéphane Kraut était-il seul à Beach ce dimanche 23 juillet ou avec Péroline, sa compagne, à quelques jours d'une confrontation des concubins, les parents de Karine ont leur conviction. Je pense que les deux, très moche pour moi cette annonce, il n'y a même pas de tonne. Et je pense pas que la fille soit sa propre compagne. Demain, Stéphane Kraut sera à nouveau entendu au tribunal de Sardaigne. Il s'agira cette fois de l'examen de sa personnalité. Une audition de Péroline, sa compagne, pourrait suivre, mais c'est surtout la confrontation de leurs deux versions qui est attendue. Elle pourrait avoir lieu vendredi. Si la chanteur à l'action espagnole ne voudrait quelque part pour la cour, c'est tout de même une vie professionnelle, la faut tout simplement demander un tournoi en Espagne pour compenser la pénurie d'actionnaires de notre pays. Et oui, elles sont 8 000 à la concurrence de notre côté du Pyrénées, alors que 10 000 postes d'actionnaires sont vacants en France. Certaines sont déjà dans les députés. Commentaire, si vous le voulez, avec des images de notre frère français. Faisons tout de suite des Français pour ces 4 premiers espagnols et ces 11 compatriotes. Ils ont été recrutés par une clinique que nous avons pour venir exercer en France. Car ici, il y a pénurie, et les plus espagnols près de 8 000 infirmières sur le chômage, et nous n'avons pas hésité à signer. Depuis des départs de retraite, dans un super de formation, ils ont payé que 35 heures, les responsables juste qui payent le salaire. Et c'est dramatique. Il manque aujourd'hui 6 000 infirmières dans l'hôpital de Sardaigne. Il y a
emplois vont décider de faire appel à de la main-d'œuvre espagnole, mais pas question de recruter massivement, il s'agit plus d'une mesure provisoire. Mais il y a au moins 10 000 postes à pourvoir. Il faudra donc aussi inciter les infirmières qui ont cessé d'exercer à reprendre le chemin de l'hôpital. Actuellement, 140 diplômés demandent 135 ans et 136. Ce qui met en espoir de rétablir une maladie terrible, une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob du RBSB, la maladie de Washburn, après avoir suivi un traitement expérimental mis au point en Californie par le professeur Kouzinger, prix Nobel de médecine, l'état de santé du jeune homme de 20 ans s'est spectaculairement amélioré. Explication d'Achille Marie-Laure et Nicolas Chateau. Elle s'appelle Rachel Thorburn et pour la presse britannique, elle serait une miraculée. Depuis plusieurs mois, elle souffrait de graves symptômes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle ne pouvait plus ni marcher ni parler jusqu'à ce qu'elle suive un traitement expérimental aux États-Unis. Oui, nous n'avions rien à faire. Il nous avait dit que Rachel allait mourir. Nous savions qu'elle allait mourir. Alors on avait tout à gagner, si ça marchait. C'est lui qui est là. Son état semblait s'améliorer. Il se pourrait qu'à force d'entraînement, elle aille mieux. On dirait vraiment qu'elle va mieux. C'est cet homme, le professeur Stanley Kouzinger, spécialiste médial de la maladie, qui a suivi Rachel. Il n'a donné aucune information sur la nature du traitement, mais il pourrait s'agir des mêmes médicaments que ceux qu'il vient de tester avec succès sur des cellules de souris malades. Dans un article publié demain dans la revue PNAS, l'équipe de Kouzinger révèle que deux molécules sont capables d'infiltrer le tissu nerveux pour y éliminer les prions. Ces molécules sont déjà connues. Jusqu'à aujourd'hui, elles étaient utilisées dans des médicaments contre la malaria et contre certaines maladies mentales. Reste à savoir si ce sont bien elles qui sont à l'origine de la miraculeuse rémission de Rachel. Il existe dans toutes les maladies chroniques des périodes d'amélioration, des périodes d'aggravation, des symptômes malades, et il est toujours difficile de savoir, lorsqu'on ne suit pas pendant assez longtemps malade, si l'amélioration cerveau fait du traitement ou pas. Si les effets du traitement sont réels, il s'agira d'une grande première. Aucune thérapie n'a pour l'instant été efficace contre la maladie. Depuis 1995, 106 personnes ont été atteintes en Grande-Bretagne, 99 d'entre elles sont décédées. Qui va partir? Qui va rester? Sur quel critère les mortels sont faits, les forcés d'avoir la liberté seront-ils choisis? Puisque les six autres volets, une comité d'entreprise réunie au siège de la compagnie, sur place nous retrouvons Stéphane de Pinot, Stéphane, c'est évidemment un fait extrêmement difficile. Les gens se sont renforcés la situation des tribunaux, la crise en transport aérien affecte aujourd'hui la plupart des compagnies aériennes, à l'exception notamment d'Air France. Les autres ont réduit leurs effectifs. Deux raisons principales, la hausse du prix de France, mais aussi les mesures d'économie des entreprises qui ne veulent plus faire voyager leur personnel en place à faire. Jean-Marc Lachemin, pour Christian Lopez. Dans un premier temps, voici le défi de l'industrie pour les compagnies aériennes. Thank you.
Aujourd'hui, le voilà déjà à Bruxelles. Un peu perturbé quand même par tout ce voyage, José Bové. Fatigué, mais déterminé. C'est son premier face-à-face avec Pascal Lamy, commissaire européen. Et pour la première fois, José Bové, producteur de Roquefort, va demander des comptes au nom de tous ses collègues. Le producteur est pris à la gorge depuis 1999. Leurs produits sont taxés à 100% aux États-Unis depuis que l'Union européenne a interdit l'importation de basses hormones américaines. Après une bonne heure de discussion, José Bové sort, sans Pascal Lamy, contre nous. Nous lui avons dit très clairement que nous nous gestions aujourd'hui dans la situation de personnes qui étaient prises en otage et qu'on était dans la situation aujourd'hui paradoxale de deux armées qui se font la guerre. Mais plutôt que d'envoyer les obus sur notre armée, il les envoie sur la population civile. Et puis, José Bové s'excuse, il a un train, mais dans l'ensemble, il a trouvé la réunion constructive. Il s'est dit. Plus calme, Pascal Lamy a commencé par mettre les points sur les i. C'est Bové, c'est comme elle, qui est contrairement à sa famille d'impression qu'il pouvait donner. Communication externe, l'Union européenne ne peut pas rester inactive dans le cadre des sanctions sur les défauts hormones. Depuis mai 2000, l'Union européenne rédige une justification scientifique et législative de son interdiction du bas aux hormones. Le texte pourrait être présenté dès la fin de l'année à l'OMC. S'il est jugé conforme aux règles du commerce international, les Américains devraient lever leur taxation sur une soixantaine de produits européens, dont le fameux Roquefort. En Israël, naturellement, dans tous les territoires, les quartiers palestiniens de Jérusalem appellent à la manifestation à Gaza. La tension est très vive après l'attentat hier à Haïfa et la fermeture de la maison d'Avion, lieu symbolique de l'autorité palestinienne. Le gouvernement syrien renforce la sécurité dans tous les lieux fréquentés par le public, comme l'ont constaté sur place dans un des spéciaux pour son père et Amin. Les gardes de sécurité ont une production. Depuis la tempête d'hiver, les Israéliens ont une nouvelle fois renforcé leur dispositif de sécurité. La police connaît maintenant dans les détails le déroulement de la tempête, notamment grâce au témoignage de Patrick Tassin. Je voudrais même parce que le travail de commissaire est très très important pour se diriger vers une sécurité qui lui a montré que les choses sont très bien sur sa personne. Il l'a dit. Vous savez ce que c'est? Les aider les faire, sont la lumière de la terre de la terre. Je dis les chiffres qui sont de la crise de la terre, de tout à exposé. Le comité est fondé par des militaires de son mouvement de l'Ontario.
Thank you.
l'association protestante Filles et Lumières qui organise tous les ans un rassemblement des gens qui vont arriver sur l'est de la France. On attend 35 000 personnes, elles seront en fin de semaine et mardi dans les news. Et cette réunion suscite quelques inquiétudes sur les vivants. Je vous souhaite à l'ensemble. C'est vous qui êtes base militaire de l'eau pour vous aider les effectifs. Mais dans quelques jours, je vous en remercie de vous rendre compte de France. 35 000 citoyens et le président de la France. L'occasion de se faire une fois par an de retrouver ce texte. Déjà, c'est la famille de la famille, de retrouver le texte, la famille de la famille, beaucoup de gens qui sont de beaucoup de pays différents, et puis, sur sa caravane, il y a des nouvelles situations. La mise en place doit être rapide, les infrastructures d'accueil sont importantes pour installer ici quelques heures, une petite année. Tout près de là, les petites cartes de parking, ici on se prépare à recevoir plus de 35 000 clients avec une certaine qualité. C'est bon. Un premier coup de sécateur avant le 15 août est mis à Carizal tout qu'on peut voir ça. Avec 6 jours d'avance sur une année moyenne, le domaine de Rombo donne le coup d'envoi des vendanges 2001. Le secret de cette précocité, des conditions climatiques idéales. Cette année a été particulièrement ensoleillée et ventée. On a eu la chance au 14 juillet d'avoir un orage qui a accéléré la maturité. Ce muscat petit grain est un cépage précoce. Les 60 hectares du domaine sont situés sur les parcelles les plus chaudes du village. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour battre des records. Et l'un des plus vieux cépages du monde donne cette année des raisins idéalement sucrés. Le millésime 2001 de ce muscat se fait remarquer dès la récolte. Du coup, les vendangeurs redoublent d'attention. Pour l'instant, les ventes sont à la hausse, 10% d'augmentation sur le marché français pour cette année. Mais face à l'arrivée des vins étrangers, les producteurs doivent renforcer leur exigence pour préserver la réputation du muscat régulier. On va rentrer à une nouvelle donne sur les vins, si vous voulez, et donc à nous habituer à cela, à ces restructurations de marché, et à penser que la qualité, par contre, sera toujours payante, entre guillemets, si vous voulez, parce qu'on sait que nous tous consommateurs, nous buvons moins, mais nous buvons meilleur. Mais avant de boire, il faudra patienter jusqu'à la mi-octobre, laisser à ses grappes dorées le temps de devenir muscat et se contenter d'imaginer la douce chanson de ce premier vin de l'année. Elle n'est pas très chanceuse, et la France rapporte deux malheureuses médailles de bronze à la recherche finale. Un résultat global conforme à l'état de santé de l'athlétisme français, c'est-à-dire pas très bien. Grégoire Tourneau et Raymond Chapelle. Une attitude de vainqueur. Les bras levés pour franchir la ligne d'arrivée de 1500 mètres, risquent la bouteille de 1933. Un geste symbolique, ce ne sont pas ceux qui nous attendaient, ce sont les athlétismes tricolores. La chance de finalement pour les 400 n'a pas empêché les Français de monter elles aussi sur le podium, mais la dépendance de justesse. Nous avons tenté de signer de certaines façons, mais avec deux médailles, non signées, et de même temps, c'est une chance de l'avoir remonté. Denise Barbeau, le quatrième favori de la compétition, sera trois fois du cercle dans cette poids. Ça demande blessé, et non sous
Mètres de falaise, 12 secondes de chute libre et des pointes à 140 km/h. Pour s'offrir une bonne dose d'adrénaline, ces base jumpers, comme on les appelle, ont trouvé la recette. Il faut bien admettre qu'avec leur 36 manières d'attraper les anges par le bout des ailes, Hugo et ses amis ont l'air d'une bande de joyeux barbeaux. Mais avec eux, l'image de la tête brûlée prend rapidement du plomb dans l'œil. Ici, chacun sait que la moindre erreur peut être fatale, alors le geste est efficace. Le matériel se plie avec une précision dans le geste. Et derrière l'air décontracté, la concentration est quasi permanente. Les bateaux en baisse n'ont pas une espérance de vie tout à l'heure. Le mec fait n'importe quoi, n'importe comment. Il va faire 5-10 jours et c'est évident qu'il ira en plus. Évidemment, enfin, soit ça hyper précis dans le pillage, dans la connaissance des bases de départ, dans la connaissance des zones d'atterrissage, sur les temps de chute. Pour flirter avec le vide, il leur faut parfois marcher pendant plusieurs heures dans la montagne, avant de trouver l'équipe, comme ils disent, l'endroit idéal pour s'élancer. Quand les conditions sont favorables, ils peuvent ainsi enchaîner 5 à 6 sauts en une journée. Commence alors un drôle de festival de sensations fortes. En France, le basement est seulement toléré par les autorités. D'autres pays comme les États-Unis ont préféré l'interdire. Trop d'accidents. Pour se préserver de toute fragmentation, ces drôles d'oiseaux fragiles ont donc choisi de pratiquer leur sport avec un maximum de sécurité. Ainsi, ils espèrent continuer à voler des poignées de secondes au quotidien et préserver ce qu'ils appellent volontiers leur dernier espace de liberté. Je vous en rappelle la principale information après ce changement de cabaret.